Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouveau résumé. Petit pays de Gaëlle Fay est un récit poignant et captivant qui nous plonge au cœur des tourments de l'enfance, de l'innocence perdue et des bouleversements historiques. À travers les yeux de Gabi, un jeune garçon élevé au Burundi dans les années 90, Fay tisse une toile complexe où l'amitié, l'identité et les tragédies familiales se mêlent au tumulte d'une société en pleine mutation. Ce court résumé de l'œuvre vous permettra déjà de saisir les thèmes universels et les nuances subtiles qui font de Petit Pays une lecture inoubliable. L'œuvre, comme nous l'avons dit, narre l'histoire bouleversante d'un jeune garçon, Gabi ou Gabriel, vivant au Burundi, un pays d'Afrique en proie aux tensions ethniques et à la guerre civile. Dans ce petit coin de pays autrefois paisible, Gabi grandit entouré de l'amour de sa famille et de ses amis. Cependant, les conflits ethniques commencent à déchirer la société et la vie idyllique de Gabi se désagrège rapidement. Le roman explore ainsi les transformations brutales de l'enfance de Gabi en une réalité marquée par la violence, la séparation et la perte. Alors que la guerre s'intensifie et que les divisions ethniques se creusent, Gabi se retrouve face à des choix impossibles et des tragédies insurmontables. Le récit poignant de Petit Pays nous guide à travers les yeux innocents d'un enfant qui doit faire face à des réalités complexes et cruelles, mettant ainsi en lumière la fragilité de l'harmonie et les profondes cicatrices laissées par les conflits. À travers ce récit empreint d'émotion, Gaëlle Fay explore les thèmes de l'identité, de la perte et de la résilience dans un contexte de chaos politique et social. Petit Pays nous plonge ainsi dans une réflexion profonde sur les conséquences déchirantes de la guerre sur la vie des individus et sur leur quête de sens dans un monde en crise. Et c'est tout pour ce résumé dédié à Petit Pays de Gaëlle Fay. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller un peu plus loin, je vous invite à découvrir notre résumé complet et détaillé de l'œuvre, toujours sur tonlivre.fr. Et si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à nous laisser la meilleure note et à vous abonner pour accéder à tous nos futurs épisodes. À très vite !